Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zelda Skyward Sword HD sur la Nintendo Switch. Alors on cherche des indices. Pour moi c'est un prof. Je crois que j'ai fait tous les profs hein, en vrai. C'est quoi cette porte? Ah, je l'ai rezappé lui. Ah putain, je l'ai zappé lui. Bon bah à tous les coups c'est lui. Bon voilà. Si c'est lui, incroyable. Tu es de retour. Tu m'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors as-tu appris quelque chose qui te permettrait... Putain, c'était lui, j'y crois pas, je suis passé devant cette porte. Je croyais que c'était une porte pour sortir de l'école. Je vois Zelda, c'est incroyable. Visiblement toi aussi tu as dû subir de rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie? Je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour. Juste pour les paroles. Ah, juste les paroles, mais oui, bien sûr, les voici. Fiers enfants guidés par la divine envoyée, ils portent la lumière, c'est moi ça. Pour ciel et terre liés, d'accord. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline. La voix qui me mène au chant, sous ses yeux, se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de lumière est la tour qui se trouve sur la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Semblerait que diriger deux ailes vers la tour, la lumière pourrait créer quelque chose. Ah bah voilà. Bah oui, bah je sais. Je sais ce que c'est. C'est le moulin. Il y a deux moulins. Ouais, il y a deux moulins. Il y en a un autre à gauche là-bas. Il y a deux moulins. Ouais. Ah bah attends. Bah... On a essayé en plus de... À un moment donné, j'ai essayé de le tourner ce moulin. Je savais pas trop à quoi il servait. Donc faut les diriger vers la tour de lumière. Là, il y a un moulin. Attends. Le moulin, il est là. Il y en a un là. C'est sûr. Et la tour de lumière, c'est la tour qui se trouve là-bas. Ok, bon bah, on va diriger... Ouais, ok. Alors, bah on va sortir notre... En plus, c'est pas par là que je l'ai mis tout à l'heure. Là. Merde, c'est... Ah bah non. Bon bah tout à l'heure, visiblement, je l'ai raté. Et l'autre moulin, il est là-bas. Bon, les papillons, là, ils m'énervent. Papillons, ils m'énervent. Faut que je monte. Faut que je monte. Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu fais quoi, là, toi? Il nous faut de la moulaga. Ça donne vraiment beaucoup de cœur, hein, depuis que j'ai mis le truc à cœur, là. Donc ça va être pratique, je pense. Tu fais quoi, là, toi? Salut Link, merci d'avoir retrouvé Nacia. Il fait beau aujourd'hui, tu ne trouves pas? Par une si belle journée, j'irais bien prendre un verre à la citrouille perchée. Mais ma femme veut que je répare les étagères. J'ai pas envie. Ok. Tu sers à rien. Ah merde. Ah par contre, il n'y a pas de truc là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à ce moulin? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Mais il y a très très longtemps. Une petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée et elle serait tombée sous les nuages. Oh merde. Oh la galère. Merde. Bon bah c'est pas si simple que ça. Et depuis comment il ne sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon. Ok. Ok super. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Bon bah t'es gentil. Elle est gentille elle. Comment, si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Bah, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Comment je vais trouver le truc, quoi? Bah voilà. Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon. Non, non, t'inquiète. Ça, je gère. Attends un peu, tu connais Dorco, qui tient l'atelier de rénovation au marché? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipeau.
Ok, je vais aller voir Dorco. Gros, c'est quoi ce bordel? Moi qui croyais que c'était simple, on part sur une quête de ouf. Vert. Bon bah va voir Dorco. Alors mon gars, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, il a quelque chose à me dire. Hey, hey garçon, on dit, tu fais une drôle de tête. Allez à vous, t'as un service à me demander. Le robot de papy, c'est encore une de tes blagues que personne comprend, c'est ça? Hein, c'est sérieux? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous les nuages? Mais alors tu crois à l'histoire de mon papy, garçon? Ça me fait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de tout dépanner. Ah ouais, il est... Regarde un peu, bon, il va me demander un truc. Son petit nom, c'est Recupix. Il paye pas de mine comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et pourrait porter à n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il est pas très en forme. Si j'en crois l'histoire de papy, il aurait besoin d'une huile extraite et une fleur ancienne. J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler. La voici. Bah, je dois en avoir. Tu en as une, mais c'est... Bah, j'en ai une, mais je sais pas d'où elle sort. Bon bah, ça tombe bien, j'en avais une. On dirait qu'une sorte d'huile. Je devrais pouvoir réparer avec Recupix avec ça. Bouge pas, j'essaie. C'est génial. Avec Recupix, tu récupix tout. Ça y est, j'ai terminé. Bon, bah, c'est cool. Bah, je sais pas d'où je la sors, la fleur, par contre. Ah, c'est un truc comme ça. C'est les machins qui sont dans les mines, là. Alors, je te préviens, si tu me parles mal encore, là. Parce qu'à chaque fois, ils sont un peu... C'est des mecs qui sont un peu violents, quand même. Hein. Merci, jauge de vitalité au maximum, prêt à transporter. Mais, au fait, qui est cette personne verte? Personne veut. Oh, il a parlé, on dirait bien qu'il a un état de marche. Et ce garçon m'a apporté tout ce qu'il fallait pour te réparer, alors montre un peu de gratitude. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Mais vous êtes... Mais j'imagine que je devrais dire merci, alors merci. Vite fait, quoi. Mais genre... Et oh, surveille un peu ton langage, quand tu t'adresses à ton sauveur. Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose, alors rends-lui service, si tu veux. Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Mais tu vas... Maître, vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur Terre depuis le moulin. Ok. Cependant, il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous. Tu t'appelles Faye, Dame Faye, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Entendu, pour toi, je te porterai n'importe quoi. De n'importe quel poids, dans n'importe quelle direction. Maître, vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la Terre jusqu'à Célésia. Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin. Elle est où? Elle est sur quelle Terre? Ok. Ah! Il va m'escroquer, lui. Mais j'ai déjà demandé des trésors. J'aurais peut-être pas dû demander des trésors. Bah si, c'est un trésor. Ouais, bah tu vois les trois. D'accord. Oui, c'est ça, une hélice.
Une montagne de feu. Montagne de feu, ok. Ok, merci. Ok, bah c'est tout ce que je voulais savoir, bon. La montagne de feu. Ok, bon, on y va. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est cool. On sait où c'est. Allez, c'est parti. En plus, on a le détecteur. Allez, c'est parti. On saute. On n'a pas le temps à perdre. Alors, c'est laquelle déjà? Le désert. Non, c'est celui-là. C'est celui-là, le volcan. Donc, il faut qu'on tourne. Ice Party! J'en sais rien. Ah, le temple, elle a dit. Le temple, elle a dit. Oui, elle a dit que c'était là. Ah, c'est cool, je peux aller où je veux. Oh putain. Je sais pas si c'est moi qui ai appuyé ou si ça a été automatique. Alors. Oh, il y a un truc là. Attends. Du coup, je sais pas si je laisse Bernard l'ermite là. J'essaie de l'attraper. Oh, il y a plein de papillons là-haut. Il y a une pierre. Il y a une pierre à tous les coups. Je vais faire là. Merde. C'est barré ou quoi? Non. Je l'ai eu? Dégage, tu vois pas que je suis occupé. Ah ! Oh bah il s'est suicidé ce con. Ok, il y a des papillons en masse ici. Mais t'es sérieux? Ce truc, ça marche pas, quoi. Bon, bah, du coup, j'attrape les papiers. Bon, j'en ai eu, tiens. Deux. Bon. Il est temps de. C'est comment déjà? Là-haut, il y a des papillons, regardez. On va essayer de faire la mélodie à la con, là. Putain, mais... Ça marche pas du tout, cette histoire de papillons, là. Si! Oh, ça a marché! Mais alors, pourquoi ça a pas marché, là-bas? Oh, putain! Ok... D'accord, frappe mon cœur, ok. Reçu. La moula là? Oh oui! Je prends. Je suis comment pour ça? Barons-nous. Est-ce que c'est par là le détection? Détection, c'était comment déjà?
Ah, c'est clairement là. Hein. Bah, il est là. Bah, il est tout simplement là. Bah, bah c'est trop facile. J'aime bien quand on m'appelle maître. Ah ouais, d'accord. Allez. Trop bien. Allez, amène-moi ça là-bas. Ouais, gros. Mais gros, tu me parles bien. Mais mec, tu me parles pas bien. Tu me parles pas bien, j'aime pas trop ça. Hein. Bon bah on se barre. Ouais, j'ai envie de retourner du coup. Ouais. Comment je remonte moi? Est-ce que je peux remonter? Oh putain. Non, je voulais juste voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Est-ce que je peux remonter tout là-bas? Ouais, ça passe. Je vais retourner où il y avait les papillons là. Je vais recommencer le coup de. Qui était clair. Hop là. Oh putain. Bâtard. Ici. Bon, on va retourner en haut dans le ciel. Franchement, les trucs pour aller dans le ciel, il y en a partout. J'avais pas le. Enfin. Ils vendaient un amiibo 25€ pour ça. Je trouve que. Enfin, c'était pas vraiment utile, quoi. Il y en a partout des trucs. Hein. Allez! Il me suit, ouais. Non, parce que vu qu'il me manque beaucoup de respect, je trouve. Pourquoi il marche plus là? Putain, le truc il bat plus les ailes quand il veut, quoi. Voilà, il est où le deuxième truc là? Comme ça, j'essaie d'aller directement dessus. Ah bon? Bah d'accord. Gros, j'ai besoin de toi. Et ça a été vite, hein, au final. Un petit quart d'heure, c'est bon, c'est fait. Ah vas-y, tu la jettes comme ça. D'accord, le mec, ok. Mais pour moi, par contre, zéro, quoi. Arrête pas moi ça, s'il te plaît. C'était pas bien compliqué non plus. Hein. Ok. Allez, ciao, à plus. Et merci pour le coup de marteau, quoi. Ok. Pas de thune. Un petit peu. Ça veut pas le coup, hein. Bon. Allez. Tiens, d'ailleurs. Ah, mais ça va dans l'autre sens. Okay. Allez, là-haut, faut que je fasse de la musique. Allez. Bah oui.
Par contre, s'il faut faire de la musique en rythme et tout ça, là, ça va vite me saouler, je le sens. Oh là 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 là, ça va me saouler, ça. En train de faire des Y, hein. Parce que là, je sens que ça va vite être relou, je le sens, je sais pas pourquoi. Alors déjà, j'essaye le coup classique. Non, bon, c'est pas ça. Mais je m'en doutais, hein. C'était juste pour me faire... C'est tout. Ah bon, bah, ça va. Si c'est que ça, ça va. Mais je sens que, vu tous les trous qu'il y a, il va falloir faire un rythme à la con. Je le sens. Gros comme une maison. Pas mal là. J'arrive plus. Allez! Yes! Oh, c'est chaud! C'est chaud de ouf! Bon, du coup, on a appris une nouvelle musique, je pense. Très cool! Je l'avais repéré, ce gros truc là. Allez, nouvelle zone. Putain, il est incroyable le jeu quand même. Il est incroyable. C'est dommage que par moment la maniabilité fait. Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des trois flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit indiqué. Ouais, par le rayon de lumière. Bah c'est parti gros. Est-ce que je peux sauter là? Allez, c'est parti. Alors, on va se faire un petit grec encore. Allez, bah des ailes. Pourquoi tu vas pas des ailes? Oh là, attention. Non, 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 non. Putain, mais... J'arrêtais pas de tourner. T'es un malade. Un baiser, mec. Et j'arrêtais pas de tourner. Oh, je suis en plein dedans, là. Oh, nickel. Oh, je suis où, là? Oh, je suis dans le volcan. Dans le nuage. What the fuck. Dans le cumulo nimbus. Et du coup je vais où là? Bon, je vais aller là.
Ah non, il indique là, il indique là. Je suis allé là. Oh, j'irais bien visiter quand même les autres îles pour voir vite fait, quoi. Je vais voir vite fait. Je vais voir vite fait. Je vois une piste d'atterrissage en dessous. Là. Ouais, je suis sur cette île-là. J'ai envie d'aller voir. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est quoi? What the fuck? Ok, c'est un peu hostile la nature ici. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ok. Ok. Ah merde, je pouvais pas siffler. Bah, je me suis dit, si je tombe, c'est pas grave. Je vais pouvoir siffler. D'accord. Mais je peux pas. Putain, je peux pas siffler. Ah merde, je suis où là? Du coup, je suis... Bah c'est la merde ici. C'est la merde ici. Ah, c'est bien. Je viens de voir qu'il y avait un passage. Et ça, c'était avant. Super. Est-ce que je peux descendre là? Bon, allez, je descends. Donc. Super. Que fais-je ici? Donc ça, c'est le passage que j'ai bouché. J'adore cet endroit. Bon, ça sert à rien. On va aller là-bas. Hein. Attends, je peux sauter là? Mais non, mais saute! Oh, saute. Bon, on va aller là-bas. Hein, parce que... Je sais pas, il a pas l'air... Attends, il y a quoi là? Un truc jaune, parce que ça. Non, il m'a dévié. Oh putain. Je sais pas si je devais tomber en bas. Non mais t'es sérieux, Link?
Que dalle. Attends, j'ai fait le tour là. Ah merde, c'est quoi ce bordel? Bon. Allez, monte. Monte. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de monter. Tu tournes pas, toi. Il est où le bordel? Putain, tu veux que je fasse quoi ici, gros? C'est chiant. Je sais pas quoi faire. Non, 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 non. Ok, c'est ici qu'il fallait aller. Ah, faut le savoir, il me dit là-haut, moi je vais là-haut. Oula, ouf, oula, ouh, ah. Il s'agit de l'île aux champs. Il est probable qu'elle ait été bâtie pour vous par la déesse. Cependant, l'entrée de la tour n'est pas accessible, je vous conseille d'examiner les environs. Ouais, bah t'es gentil. On va commencer par lire ça. Fais tourner le piédestal central pour former le pont qui te permettra d'entrer dans la tour de l'île aux champs. Ça je peux le bouger, ça je peux pas le bouger, je peux même pas monter dessus. Ok, ok, et ça c'est quoi? Alors ça, ok, ok, ça fait rien, et ça. Je suppose que c'est pas bon. What? Ah! Oula! Enlever le truc là, je vais enlever ça moi. Bien. Ah. Parce que si je tourne encore, ben voilà. C'est ce que je voulais dire quoi. Attends, il doit y avoir moyen de d'enlever ça là. Putain, mais... Merde. Attends. C'est une blague.
Ah mais non. Du coup non. Est-ce que lui il va bouger? Attends. Bah il va bouger lui. Ok. Là il bouge plus. Je sais pas si lui je dois le mettre. En fait je sais pas où je dois le mettre lui. Là, stop. Ah mais non, il va l'arrêter là. Mais non, ça va pas, ça va pas. Là ça aurait été bien mais pas. Attends, ça aurait pu être bien mais non. Donc là on a aligné les deux là, il y a juste l'autre qu'il faut qu'on retienne. Par contre s'il est retenu. Non, ça va pas être bon. Ça va pas être bon parce que il y en a un qui va pas être bon. Voilà. C'était sûr. Bon, on en a qu'un à faire bouger. Du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, du cul. Là, c'est lequel? On va essayer là. Là. Alors on arrête tout. Sauf que là, c'est pas le bon qui. Donc il faut qu'on le retienne une fois. Voilà, on a aligné celui-là. On va faire dans l'autre sens. On a aligné les deux du milieu. On va essayer d'aligner avec l'autre. Allez. Bah déplace. Tu fais. Allez, pousse feignasse. Par contre, si je me touche, faut que j'arrête. Voilà, faut que j'arrête. Voilà. Donc c'est pas celui-là encore. Celui-là, ça peut être pas mal. Celui-là, ça peut être très bien même. Vas-y. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est bon. On est bon, là. On est bon. Y'a quoi, là? J'adore. J'adore. C'est ça que j'adore dans les Zelda. Ces petits... ces petites énigmes tranquillou, là. Ah, c'est trop bien. On n'est pas trop bloqué, tu vois. Juste de quoi réfléchir un petit peu. Eh ben, écoutez, déjà, on va se faire une sauvegarde parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Bon, après, il y a les sauvegardes automatiques, hein, mais... Je préfère me faire une bonne sauvegarde à moi. Parfait, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a un oiseau, donc on va faire le VDT. Et bam! Il y a quoi, là? Ça va être magique. Ça va être incroyable. Maître Link, fait au rapport. Les mots de la déesse sont éveillés en moi lorsque vous allez utiliser l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Toi qui t'es mis en quête des trois flammes sacrées, des abîmes du temps, mes mots vont te guider. Ça va être des énigmes
pour les flammes sacrées, toutes trois découvrir les reliques divines tu devras acquérir. Pour que te soit remis ces talismans sacrés d'exigeantes épreuves tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et les flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Alors écoute ce chant, ouvrant quand il résonne l'épreuve que renferme la forêt de Firon. Ah, forêt de Firon déjà. Vas-y, dis-moi. Il est quand même sympa Zelda, franchement. Même ce problème de jouabilité n'arrive pas à m'enlever de l'histoire qui est incroyable. Le courage de Faror, tel est le nom de ce chant vaillant qui vous guidera, maître. Ah, j'ai encore un chant. De toutes ces énigmes, de tous ces donjons. Franchement, c'est. Pour chaque flamme sacrée, il vous fera passer une épreuve et ainsi obtenir une relique sacrée. J'ai mémorisé le courage de Faror. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers la forêt de Firon. D'accord. C'est Tipa. Allez. Et ben voilà. Ok, c'est cool. Alors on va pas refaire une sauvegarde, hein, parce qu'on en vient. Trop bien! Bon, bah voilà. Du coup, on peut sauter où, là, ici? C'est quoi l'arc-en-ciel? J'ai envie d'aller voir, je suis curieux. Oh, j'ai pas eu le temps de. Bon, bah y'a rien. Je sais pas c'est quoi les bestioles. D'accord, c'est ça. Hein. Par contre, j'ai pas du tout. Il faut aller. Il faudra atterrir. Je crois qu'il n'y a pas le choix pour être sur elle. Et voilà. Ah bah si. Bah, j'en sais rien. Bah j'en sais rien. Ah ouais, par contre là. Bah j'en sais rien. Non. Pourquoi il y a un truc là? C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'entrée, ok. Bah je vais aller là. Hein. Ah ouais, là par contre, il m'aide pas beaucoup quoi. En même temps, maintenant qu'on a les nouveaux pouvoirs... Ok.
Donc, elle est pas loin. Ouais, vu qu'on a les nouveaux pouvoirs... Peut-être on va pouvoir apprendre des trucs. Détectons d'abord. Détectons. Ah. Ok. Non, t'es con quoi. Cola. Putain, ah ouais. Attends. Attends, mon pote. Parce que toi, maintenant, je sais. Allez, viens. Merde, raté. Tiens, t'apprendras. Faut passer par ce petit trou. Allez. Bam! Allez! Par contre, j'ai perdu la dragonne. Heureusement que j'ai une dragonne. Hein. Y a pas des insectes, des trucs. Maintenant, c'est ça, parce que on a des nouveaux pouvoirs. Hein. Attends. C'est qui? Salut les gars! Quoi, là, les gars, on m'avait un petit peu tapé quand même. J'aime pas trop ça. Merde, j'ai couloir des guêpes là. Ah non, rien à voir. Pas de cœur. Attends, mais j'ai plus une truc dans ma sacoche ou quoi? Remboursé là. Remboursé. Alors, attention là. C'est quoi cette bestiole là? Quoi? Ce serait ici ou quoi? Alors, faut monter ou... Attends. C'est pas loin. Hein. Merde, il va voir. Défoncez. Par ici. Oh! Tu le vois venir là? Allez, c'est bon. C'est fait. Ah! Enfin, je suis peut-être à l'envers. On m'a fait de la gym, hein. Allez. Maître, notre...
Votre interprétation du courage de Faor a fait apparaître une rosa sur le sol. Il y a 90% de chance qu'il s'agisse de l'entrée de l'épreuve prophétisée par la statue de la déesse de l'île aux champs. Placez-vous au centre de la rosace et plantez votre épée dans le sol. Comment je fais ça? Ok, bon bah une épreuve. Je sais pas si on aura le temps par contre. Maître Link, comme je n'ai pas pu accompagner, je m'adresse directement à votre esprit. Vous vous trouvez dans une Psysalis, un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut se rendre. Il s'agit ici de la Psysalis de Faor, une épreuve régissant votre esprit. Votre esprit a temporairement quitté votre corps, maître. Vous devez surmonter cette épreuve pour faire grandir votre âme et ainsi trouver la flamme sacrée qui aiguisera votre épée. D'accord. C'est très beau tout ça. On a le réceptacle spirituel, cette fleur étonnante représente la maturité de votre âme. D'accord. Ceci est un réceptacle. Lorsqu'il sera rempli, il prouvera que vous avez surmonté l'épreuve et votre âme sera agrandie. La déesse vous gratifiera alors d'un nouveau pouvoir. Pour remplir le réceptacle spirituel, il vous faut recueillir les larmes de Faor éparpillées dans ce monde. Je les ai vues. D'accord. Vous voyez cet objet brillant en face de vous, maître. Il s'agit d'une larme de Faor. Vous devez en recueillir 15. Mais cette épreuve porte bien son nom. La tâche ne sera pas facile. Il faut que j'évite les lumières. Si vous faites un pas hors du cercle où vous vous trouvez, des êtres appelés les gardiens se mettront à votre poursuite. Si vous subissez ne serait-ce qu'un seul coup des gardiens, votre âme sera brisée et vous aurez échoué l'épreuve. D'accord, ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer. Il faut que je cours ou quoi? Une perle d'ombre, cool. On n'arrête pas d'en parler. Voilà, elles sont où là? Il y en a une là-haut. Hein? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, gros? Mandy! Ok. Où sont les autres? Alors. Quoi ça? Oh non, non. Tu m'as pas vu toi, tu m'as pas vu.
putain, encore. Ok. Non. Je sais pas si je dois courir ou... Merde, merde, merde. Garde, garde l'équilibre, garde l'équilibre. Non, 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 non. L'autre côté, l'autre côté. L'autre côté. Non. Putain. Ah. Allez. Ok. Ok. Ok, je peux sauter là, je pense. Ça, je peux marcher dessus, ouais. Ok. 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 Merde! Putain! Oh putain! Mais ça a marché dans l'autre sens! Ok, cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Gros. Bon, voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme, calme, calme. Il nous en reste plus que 4 à trouver. Il y en a une là. Là-bas. 3, j'ai l'impression qu'il y en a 2 ici. Non, il n'y en a qu'une. Qu'est-ce qui se passe par ici? Elles sont où les deux dernières? On va le faire. Bon, vidéo qui sera du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, elle est par là. Elle a l'air d'être en hauteur. Là-bas, il y a de l'ombre. Ok. Allez. Bon bah c'est fait. Ok, faut que je retourne à l'entrée. Ok, ça marche. Parfait. Ok, on peut nager. Est-ce que j'ai une sauvegarde automatique là? J'en sais rien. J'ai envie de sauvegarder. Je pense qu'on a eu une sauvegarde automatique. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, attendez, on peut le voir peut-être ici.
Ouais, je vais m'arrêter sans pression. Bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas. Ouais, non, pas. En fait, j'ai trop les listons, mon fils. On va sauvegarder et quitter. Voilà, bah j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.